Et salut à tous, c'est Steph et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur FIFA 14, la carrière avec Lens. Et aujourd'hui on se dépêche. Non, je déconne. Non, non, on n'est pas pressé. Donc aujourd'hui on a un match d'Europa League et contre... d'Europa League. Oui, c'est ça, d'Europa League, n'importe quoi. Contre Feyenoord, donc le match retour. Et on aura deux matchs de championnat, un contre Monaco et l'autre contre Montpellier. Et donc on va se diriger à la double conférence de presse. On va essayer d'être deux fois au même endroit. Et on va motiver notre équipe. C'est un match de coupe, bordel. On va se motiver quand même. Pour l'instant on a eu plutôt un parcours plutôt intéressant en coupe. Kantari a accepté, il a intérêt. Là, je lui ai foutu 10 000 balles de plus, il a intérêt à accepter cet enfoiré. Du coup on n'a plus d'argent. Voilà, on n'a plus d'argent, on peut plus rien faire. Voilà. Et on va donc, oui, si on joue chez nous, c'est toujours mieux de jouer avec, en sélectionnant notre équipe, hein, toujours plus intéressant. Et on va voir, non, tout le monde ça va bien, alors tout le monde on va jouer comme ça. Voilà. Voilà. Et on va espérer faire un bon match. C'est ça le but, c'est ça l'objectif. Non, je ne veux pas être gardien, je ne suis pas un bon gardien. Attention, non, je veux pas. Merci. J'ai changé l'affichage du jeu. J'ai mis affichage Champions League. Comment ça peut se voir? C'est beau, je ne suis pas un Champions League, je sais. J'en ai rien à foutre. Je n'en ai rien à foutre. Ça fait joli. L'affichage est sympathique. Donc je voulais le mettre pour changer un peu. J'aime bien changer un peu. Et celui-là était sympa, et plutôt sympa. Donc on joue à la maison contre Feyenoord. Toujours en Ligue Europa, on est deuxième de notre groupe à 6 points pareil que le Sporting. On espère que le Sporting va se faire encore une fois avoir par OHL, hein, comme au match aller. OHL avait battu le Sporting 1-0. J'ai changé la caméra aussi, elle est un petit peu plus loin. Ça se voit. Hein. Allez, Villalba, est-ce qu'il est chaud? Est-ce qu'il est chaud Villalba aujourd'hui? Est-ce qu'il est chaud? Sally, est-ce qu'il est chaud Sally? Non, il est pas chaud. Johnson, est-ce qu'il est chaud? Non, pas chaud. C'est n'importe quoi tout ça. Waouh, bien joué. Bien joué, monsieur Villalba. Ça, c'est bien, ça fait plaisir. Il est chaud. Villalba, il est chaud. Il va nous marquer plein de buts. Je plaisante, hein. Il ne va sûrement pas nous marquer plein de buts. Pas de rigoler non plus. Sauf que là, il faut pas non plus partir. Oh Sally, le centre de Sally. Oh là là, le centre de Sally. Et malheureusement, trop en retrait. Je pensais que Villalba allait pas courir comme un dératé aussi loin. Voilà, il a couru un petit peu trop en arrière, Villalba, c'est pas grave. Ouh, ça elle est jolie celle-là. Le centre, peut-être Villalba, la tête. Oh, la tête à bout portant, arrêtée par le gardien. Magnifique. Première intervention du gardien sur cette belle tête de Villalba. Il était pas hors jeu, une tête à bout portant. Bah, c'est facile parce qu'elle était sur le gardien, on ne faut pas déconner. Allez, un petit centre peut-être pour Kantari. La tête, non, pas la tête de Kantari, tête plongeante. Non plus, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, c'est n'importe quoi. Allez, on va essayer. Oula, on va essayer d'éviter de faire des bêtises. Bien joué les jeunes. Impeccable la récupération. Balle pour Cheryshev qui passe à Aziz. Aziz qui passe à Sally. Sally qui va passer un petit passe à Johnson. Pour une passe, il est pas hors jeu. Kantari, qu'est-ce que tu fous là Kantari? Tu m'excuseras mais mais je m'attendais plutôt à trouver Villalba par là, enfin bon. C'est pas grave. Le centre est contré. Contré et récupéré par la défense de Feyenoord. La grosse frappe. Non, la grosse frappe ne passera pas. Le ballon pour Cheryshev sur le côté qui va déborder. Il a fait un magnifique débordement pour un centre. Oula. Villalba qui est allé tuer un spectateur avec le ballon. C'était parfait. Dans l'objectif c'était parfait, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Hein. Mais l'objectif c'était ça, je suppose. Hein. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il aurait pu faire à part ça. Bien joué pour Aziz là. La bonne balle pour Aziz qui va passer à... qui va passer à Cheryshev, le Cheryshev qui a fait le centre. Je sais, je suis en retard dans mon commentaire, mais c'est pas grave. Allez, bien joué. Ils ont totalement chié la repasse. Allez, on repasse vers Sally. Allez. Ah, dommage. Dommage, dommage, dommage. Le gardien qui repousse, exactement, c'est ça. C'est tout à fait ça. Le gardien qui ne fait que repousser finalement. Il va passer en bas, lui. Oh, oh, le petit but. Le petit but de Aziz, il est beau. Il est allé le chercher, ce ballon. Il est allé le chercher, c'est magnifique. Oh, il est beau ce petit but d'Aziz là. Il est allé chercher le ballon. Il a fait une super bonne récupération quand même. Et le gardien qui n'y a pas cru en fait. Hein, il n'y a pas cru. Il est arrivé un peu en retard et boum, le petit ballon. Je n'ai pas cru qu'il allait le marquer, mais il l'a mis quand même. Bravo, mon petit Aziz. C'est parfait. L'ouverture du score de Aziz sur un but totalement. Totalement normal quoi. Enfin, totalement. Voilà. Bien joué. Bien joué, Mickey. Allez, tu vas passer là-haut pour Cheryshev qui est tout seul. Oh là, Cheryshev, il s'est fait taper. Il s'est fait taper par le joueur. Ils sont agressifs, ces garçons, là. Faut se calmer un peu, les gars. C'est que du foot, hein. Faut se calmer un peu, quand même, hein. Allez, pour Sally. Sally qui va lancer Cheryshev. Cheryshev qui a été lancé dans la profondeur. Cheryshev, le centre, le centre, le centre. Oula, le centre, tout le monde s'est cassé. Le centre où tout le monde s'est barré. C'était ça. Bien joué, Cheryshev, qui récupère, qui passe à Johnson, Johnson qui va passer à Chavarría. Chavarría qui s'est fait totalement avoir dans son contre-pied, alors que pourtant, s'il n'aurait pas bougé cet abruti, il l'aurait récupéré, enfin bon. Alors ça, c'est de la chance. Ça, c'est de la chance, parce que là... là, c'est abusif. Là, les jeunes, il y avait le ballon, je sais pas pourquoi, il a fait une cagade. Oh putain, Cheryshev, il est pas parti au bon endroit. Bien joué la défense. Bien joué. Alors, on va repasser vers le milieu tranquillement. Bien joué, bien lancé sur Sally là. Ah, oula. Il a récupéré le ballon, il a frappé direct. C'était trop bizarre comment il a fait. Voilà, par contre Sally il a un peu chié parce que là c'est pas vraiment ce que je lui avais demandé, mais enfin bon, c'est pas trop grave. Allez, on va lancer Lijon sur le côté. Le centre. Le centre. Le centre qui ne donnera rien. Oula. N'importe quoi. Je pensais pas qu'il allait. Je sais pas pourquoi il a frappé direct. Parce que j'ai pas demandé à frapper direct. Enfin bon. C'est pas grave, tu fais ce que tu veux mon petit loulou. Allez, en tout cas, tu t'es bien rattrapé. Oula, tu t'es. Enfin, j'allais dire bien rattrapé, mais en fait, non. Parce que juste après, tu me fais une couillonnade. Et c'est la mi-temps. Et c'est la mi-temps. On mène 1-0. Un tout petit but à 0. Un beau but de. Un beau but de Aziz. Mais franchement, on mériterait clairement de marquer plus de buts. Hein. On mériterait clairement de marquer un peu plus. Allez. Kantari, le contrôle là. Fini les contrôles de Ligue 2 là. Allez, balle. Balle. Balle, il veut partir, mais balle, il peut pas partir. Allez. La tête. Oh, la tête à côté. Oh, Villalba. Villalba, t'aurais dû la mettre dedans celle-là. Villalba, t'aurais dû la mettre dedans celle-là. Elle était bonne hein, en plus. Hein. Elle aurait été bonne celle-là. Elle était parfaite, sinon dans le principe elle était parfaite. Il s'était totalement démarqué. Ouh, une faute. Une faute, oui, carton là. Il m'a roulé dessus. Il m'a totalement... Voilà, hop, il m'a marché dessus en plus. C'était pas un tacle glissé, mais il a... Ah ouais, mais ça... Oh putain, balle t'as chié là. Balle t'as chié parce que là. Ah putain. Ah ça fait chier ça. Ah c'est clairement pas mérité parce qu'en plus c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et ouais. Ah putain, mais putain, ils sont pas réactifs mes joueurs, ça c'est un truc vachement chiant quand même. Ils sont vraiment pas réactifs quoi, ils mettent 2 ans à se retourner, ils font les actions ralenties. À côté de l'AI qui est toujours à fond dans... Allez les gars, on presse là, il faut le gagner ce match. Il faut le gagner ce match, on n'a pas le droit au match nul. Moi je veux le gagner ce match. On avait gagné le match aller 2-0, tu vas pas me dire qu'on peut pas gagner le match retour, en plus qu'on joue à la maison. Non c'était... Putain, putain c'est qui m'a fait ça? C'était pour Cheryshev en bas là. C'était pour Cheryshev quoi, mais c'était clair et net ça. Allez on se met en ultra offensif parce que moi je veux marquer hein. Allez. Eh, faites gaffe dans vos passes les gars, faites gaffe hein, parce que ça c'est moyen ça. Putain mais... Putain mais c'est dégueulasse ça. Ça passe pas, ça passe à travers mon joueur ça. Cheryshev qui se casse quoi. Il y a le ballon qui arrive vers lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se casse. Allez, Villalba qui se casse aussi. Putain, non, Villalba. Arrêtez de déconner, les gars, là. Il a mis une main, là. Ça vaut presque un carton. Putain, je suis sûr qu'on va faire... Quoi? C'est pas moi qui a mis la main, c'est lui. C'est lui qui a mis la main, c'est pas moi. On va faire un changement aussi. C'est lui qui a mis la main, c'est même pas moi. C'est abusif, moi j'ai vu sa main se lever en l'air, là. On va faire entrer tous Gare. Et sur le côté, on va faire entrer Nomanjari. Et au centre, on va laisser comme ça. Au centre, on va laisser comme ça. Presque la même que tout à l'heure, sauf que tout à l'heure, c'était cadré et ça change tout. Putain, ça me fait chier quoi. Si on fait un match nul, ça, franchement, ça serait clairement pas mérité. Allez, premier ballon pour Nomanjari. Ils sont clairement en mode vénère là, Rotterdam. Feyenoord, pardon. Allez, le centre, putain, le centre. La frappe. La tête. Bon, allez, c'est même pas intercepté ça. Allez, le mec il sait direct où est-ce qu'elle va aller. Là encore une fois. Allez, bien joué. Allez, Johnson. Qui passe à Aziz. Je sais pas pourquoi il s'est retourné. La frappe est déviée, ça fera un corner. Allez, Johnson pour Gunning, la tête et le but de Gunning. Ah, le but de Gunning, il fait plaisir là. Ah, il fait plaisir le but de Gunning. Merci mon petit Gunning. J'ai visé Gunning. La tête à bout portant, ça fait plaisir. Merci mon petit Gunning. Allez, 2 buts à 1. On a pris un but, ça c'est par contre un peu con. Allez, on va aller peut-être les empêcher de jouer. Allez, c'est bon, on les a totalement empêchés de jouer là. Oh non! Oh putain! Oh, il aurait marqué, j'aurais ragé quoi. Moi je me fais chier depuis tout à l'heure. Là s'il marque, je rage là quand même, hein, parce que... Ah, bien joué Mickey. Bien joué Mickey. On va mettre un demi-steak devant. Et c'est fini, victoire. Victoire à l'arraché, ouf, ça fait plaisir. 2 buts à 1. Victoire à l'arraché, on gagne 3 points de plus. Ouais, on méritait clairement de marquer plus que ça. Hein. On méritait clairement de marquer plus que ça. C'est abusif. C'est abusif. Déjà qu'on s'est pris un but, c'est déjà abusif en soi. Et Gunning a fait un très bon match, ça fait plaisir. Alors je veux savoir qu'est-ce qu'il en est du coup sur ce... Parce que moi j'ai pas vu ce qu'ils ont fait mes collègues là. Sporting, le Sporting a gagné aussi contre OHL. Le Sporting est premier à une meilleure différence de but que nous. Ça fait chier. Ça fait chier, ça fait chier. Bon pour l'instant ça va. Il nous reste 2 matchs contre OHL et Sporting. Et on va dire qu'on est... si on gagne le prochain, c'est bon. Si on gagne le prochain, on n'a aucune chance d'être... on sera au minimum 2e. Et de toute façon, si on gagne contre le Sporting, hein, on sera premier. Du coup, on passera au premier. Donc, on va continuer. On peut causer salaire. C'est hors de question, parce que j'ai pas d'argent, mon petit bout. Excuse-moi, mais tu diras à ton collègue Kantari que on va louer le dernier match, hein, même si c'était pas forcément exceptionnel. Tu penses que ton salaire reflète pas assez ce que tu apportes à l'équipe. Bon. On va partir dans l'optique que tu te fous un petit peu de ma gueule. Mais... il est où? J'ai dû le rater. Il est là. Il veut 10 000 toi, 15 000, oh oui carrément. Ouh là là, ouh là là, tu veux une grosse augmentation toi. Toi tu fais pas les choses à moitié toi. Et malheureusement, je suis au regret de t'annoncer que je n'ai plus les moyens de financer mon petit loulou. Je suis désolé, c'est pas moi qui décide hein. C'est monsieur Kantari qui a pris tous les sous. Alors comment on va jouer? On va jouer de cette couleur là, ils vont jouer cette couleur là. On joue en plus à Monaco. Donc on devrait prendre une petite tôle. Étant donné que... qu'ils vont être vénères parce qu'on les a éliminés en coupe. Avec une équipe bis en plus. Donc on va mettre... devant on va mettre... McGuinness. On va pas faire jouer Villalba. On va mettre... Bella. Voilà on fait jouer Bella. Allez on va faire jouer Bella. Bella à la place de McGuinness. Cheryshev, on va faire jouer Nomanjari à sa place. On va le garder quand même sur le bon. On va faire jouer Igon. On va faire remplacer... voilà. Et on va laisser Aziz quand même. Parce qu'il faut pas déconner non plus. Kantari est un petit peu fatigué. Et un tout petit peu fatigué. On va mettre un défenseur central. On va mettre Alassane Touré. Yaya, il a 66. Et Touré, il a combien ? Touré il a 63. Donc il n'est pas très loin. On va faire jouer. Voilà. Je pense qu'on va faire jouer comme ça. Sally est un peu fatigué aussi. Alors on va faire jouer Tousgar. Et ici on va mettre blablabla blablabla blablabla. On va mettre Ephir. Ephir peut-il jouer autre chose que But? Il peut jouer AT. Très rapide Ephir quand même. Hein. Et Bella, je crois qu'il est tout aussi rapide. Oh tiens, il a sa photo maintenant. Ouais, j'ai installé encore des mods. Hein. On va peut-être mettre Ephir. Ouais, non, on va laisser sa chance à Bella quand même. Hein. Du coup, est-ce que, par exemple, comme monsieur là... Ah, il a sa tête. Ça fait plaisir. La trousse, mais il avait déjà sa tête. Qui c'est qui avait pas sa tête? Je crois qu'il avait pas sa tête, lui. Lui non plus. Ah ça fait plaisir, quelques joueurs qui ont leur tête qui n'avaient pas de tête avant. Et donc c'est bon, on va jouer comme ça. Parker, Ephir, McInnis, Cheryshev, Johnson, Chavarría, ouais on va jouer comme ça. Allez, allez on va jouer sous la pluie en plus, sous la pluie de Monaco. Ce qui ne va pas arriver forcément très souvent. Là je retrouve Ligon à côté d'un grand défenseur, donc c'est un peu compliqué de mettre des têtes. Mais on s'en fout, c'est pas le mini-jeu qui nous intéresse, c'est le match. Le match donc de Ligue 1 qui s'oppose à Monaco. Ils s'opposent toujours à Monaco, à l'Union Park Stadium de Monaco. Magnifique. Allez. Et on est en Ligue 1, on est toujours premier de Ligue 1. Hein. Le ballon est tout foncé. Une énorme surprise. Comment tu nous sous-estimes, mon grand garçon? Putain oui, ça se voit. Hein. Je sais pas comment ça se fait, mais c'est la première fois que je sens la pluie comme ça. Hein. Ouh. Elle est pas déviée? Non, pas un peu. Non, elle est pas un peu déviée. Non, non, c'est moi qui fais de la merde. C'est moi qui fais de la merde. Je suis désolé, c'est moi qui fais de la merde. Bon, ça va sûrement être un match très compliqué. J'attends que mes défenseurs soient parfaits. Allez, on va lancer Igon. Igon, là, il voulait jouer, hein, cet enfoiré, là. Alors, on va le faire jouer, nous. Pourquoi ça me sélectionne pas le bon joueur à chaque fois? Ça fait plusieurs fois déjà. Depuis plusieurs épisodes. Que ça me sélectionne pas souvent le bon joueur. Ils ont mis la grosse équipe. Hein. Oula. Bien joué Mickey, tu t'es bien couché là. Allez, on va passer à balle. Oula, balle, tu me refais un contrôle moisi comme ça là. C'est Monaco en face quoi. Ah dommage. Ah. C'est qui a regardé le ballon là chez moi et qui l'a pas pris là, attaquant là. Putain, il lance beaucoup quand même hein. Il lance beaucoup. Ah putain, mais les joueurs là, les gars là, il faut se motiver un peu là. Encore Mickey, bien joué Mickey. Voilà, ils sont pas très motivés mes joueurs là sur ce match, je les sens un petit peu moyens là. Ils ont peur on dirait. Oui les gars, non mais oui les gars, faut se calmer hein. En face c'est une équipe 5 étoiles hein, je crois. Hein. Bien joué Igon, comment t'as pris de vitesse ton vis-à-vis, c'était parfait. Tout se gare là par contre, déjà qu'est-ce que tu fais là hein? Pourquoi t'es pas en attaque? Oh mais non, je l'ai pas touché, putain Igon il est tout petit tu sais. Et genre comment il pourrait faire tomber quelqu'un comme ça? Bien joué la défense, parfait. Je sens que ça va être un match très compliqué. Là, mes joueurs sont un petit peu moyens, hein. Ils sont encore moins motivés que d'habitude. Comment ça, arbitrage à l'anglaise pour quel pourquoi il y avait une faute? J'ai pas compris où est-ce qu'il y avait une faute. Hein. Ils nous font totalement déjouer quand même. Hein. Je veux bien le dire, ils nous empêchent totalement de jouer. Là pas c'était pas Borazès, mais c'est pas grave à la base. On va faire un centre peut-être. Ouh la tête. Ouh la tête de Bella. Putain, je sais pas comment il a réussi à avoir le ballon de la tête là, mais il l'a eu. Il l'a eu et Subasic était là, il s'est pas fait avoir. Ne s'est pas fait avoir, c'est clairement pas la même équipe qu'en Coupe de la Ligue. Hein. Là je le dis clairement. Ah ça c'est con ça. Ça c'est dommage. Ça va passer en bas. Ah, il a bien protégé son ballon celui-là. Bien joué. Ah non, c'est trop loin ça, c'est trop loin ça. C'est trop loin tout ce gars là, tu te chies là. Si moi j'aurais fait un truc un peu plus intéressant là, j'aurais pu avoir une bonne passe là. Allez, là on sent qu'on les embête là déjà, ça va un poil mieux. Ça va un poil mieux. Ils ont l'air un petit peu emmerdés quand même. Et après Igon quoi, il va se... La frappe, n'importe quoi. N'importe quoi la frappe, elle est partie mais à l'ouest. Elle est partie à l'ouest. Ouais, c'était juste ça, hein. Bien joué. Oh, c'était quoi ça? Je vais voir ce que c'était ça. Je vais voir ce que c'était ça, parce que ça c'était quand même pas mal. Merde, je voulais voir comme ça. Chaque fois je me plante, c'est ça. Je vais voir quand même ce que c'était ça. Alors il est là, qu'est-ce qu'il fait? Boum. Contrôle de la poitrine. Contrôle de la poitrine. Alors, encore il aurait marqué avec son contrôle de la poitrine. Je veux bien, mais là quand même, m'a fait un peu du caca là. Hein. M'a fait un peu du caca avec son contrôle de la poitrine à 2 balles. Allez, c'est bon, il est parti. Ah mais non, il commence à partir tout ce gars et puis après il part plus. Et c'est la mi-temps. Sousgar il a commencé à partir et hop, il s'est arrêté de suite. Ce qui était un tout petit peu emmerdant. Ouais, bon, c'était un petit peu moyen. Bah, c'est plutôt équilibré, on va dire. C'est plutôt équilibré, hein. Ça se tient. Ça se tient, on ne laisse pas trop jouer, il nous laisse pas trop jouer. Bien joué, encore. Putain, à chaque fois il me bloque sur des trucs comme ça. Oh, oh le ballon qui passe à travers mes jambes. Ouais, pas la même conception du joli tir. C'est un arrêt important parce qu'il permet à son équipe de rester dans le match encore. Allez, ah, les mecs, regardez, ils sont plus motivés là. Je sais pas qu'est-ce qu'ils foutent mes joueurs là. Regardez les leurs, hop, dès qu'ils ont le ballon, comment ils courent à une vitesse, c'est impressionnant. C'est impressionnant, les joueurs de Monaco sont beaucoup plus en forme que les miens, faut croire. Hein. On me mentirait sur leur état de forme. Allez, on va repartir là. Pour lancer Igon, c'est pas trop long ça, ça passe. Hop, on va stopper. On va faire un centre. La tête, le centre était un poil, mais un poil de mouche trop court. Ah putain, je pensais pas que j'avais le ballon, j'ai eu le ballon et hop, j'ai fait... ça m'a compté un retour en arrière. Allez Aziz, allez Aziz, allez Aziz. Comment il a pu faire ça lui? Comment il a pu dégager le ballon là sur mon joueur? Ah putain, j'ai fait le tacle hein. Eh, eh, je peux pas le doubler. Le mec, je peux rien faire. Là, j'ai eu de la chatte, là, quand même, parce que il avait fait un truc un poil moyen, quand même. Allez, bien joué, ça. Le contre est sympa. Ah. La frappe de Bella. Ah, le contre. Putain, le contre dans les pieds des monégasques. Je sais pas comment ils font pour se retourner à une vitesse comme ça là. Vous avez vu moi comment il s'est retourné, la vitesse qu'il a, le temps qu'il avait pour se retourner, Igon, c'était quand même assez impressionnant. Ah, le centre est contré, ouais, j'avais aussi 3 adversaires dessus. Il ne s'est pas laissé surprendre, il a récupéré. Allez, ça va être un poil trop loin, la frappe peut-être. Non, il est tombé, il est pas tombé tout seul. C'est dégueulasse, il est pas tombé tout seul mon joueur. En tout cas c'est tendu, le match est très tendu. Plutôt assez équilibré, à chaque fois on est à 2 doigts d'en prendre un, et ils sont à 2 doigts de nous en mettre un. Merde, 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 merde. Oh putain. C'était censé être une passe. C'était censé être une passe en retrait pour le Bella au centre, mais enfin bon. N'a pas du tout abouti et finalement ça a failli se remplacer par un tir. Allez, Touzgar. Ah putain, il était parti, mais il s'est arrêté de partir. Stop, tu l'arrêtes. J'ai eu peur. La frappe de... Oh là là. N'importe quoi. N'importe quoi cette frappe. Est-ce que je fais des changements, moi? Non. Quoique. Quoique. Quoique, on va peut-être faire des changements. Bella n'a pas été exceptionnel. Donc on va mettre un mec qui est encore moins exceptionnel d'habitude. Ouais, par cœur. Igon est fatigué. On va mettre Chavarría ou... Non. Non, tiens, on va mettre Dao. On va mettre Dao et on va laisser comme ça Valdivia, Aziz, on va laisser, Aziz, on le changera au prochain match. Allez, Igoni va sortir. Allez, pour booster tout ça, exactement. Tu as tout à fait raison, monsieur le commentateur. On va essayer de booster un peu. Voilà, mon défenseur, il s'est totalement chié sur sa tête. Il a eu une bonne détente, mais en fait, il a fait sa tête avec 2 km de trop. Sauf que la passe n'était pas pour là. Le Montpellier, tu me fais une passe assez mauvaise. Pour ne pas dire une mauvaise passe. C'est ce que ça voulait dire en fait. Putain, eux-mêmes quand ils sont contrés, ils arrivent à faire opposition avec leur corps. Ah putain, comment il s'est fait doubler. Comment il s'est fait doubler. Le temps qu'il se retourne, c'était pareil. C'est toujours... Oula, mais c'est trop long ça. Mais qu'est-ce que tu m'as fait là? But, d'accord. Qu'est-ce qu'il m'a... J'ai pas compris ce qu'il m'a fait là. Ça me laisse sortir. Putain, j'ai cru qu'elle allait le toucher. Alors, on va balancer devant, on est presque à la fin du match, hein. Je l'avais dit, voilà. Je l'avais dit. Je sentais bien que ça allait faire un vieux match nul. Oh non! Putain, Dao il veut faire sa passe et hop, t'as le petit pied. Petit pied qui passe par là et c'est fini. Match nul. Un match nul, on gagne pas de points, on n'en perd pas. Enfin, on gagne pas de points. On gagne un point et on n'en perd pas. On va se dire ça. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Oui, on peut nous avoir quelques regrets. On a eu quelques bonnes occasions. Ils ont eu quelques bonnes occasions. Des trucs intéressants aussi de leur côté. Donc on va quand même s'estimer heureux de ne pas avoir fait trop de la merde. Hein. Je cherche un nouveau club. Pourquoi je l'ai dans les agents libres alors? Deportivo La Couronne. Rouba. Rouba. Équilibre, c'est un milieu défensif. Est-ce qu'il peut jouer autre chose ton jeune garnement là? Il n'a pas d'endurance, donc tu me le vends pas comme ça. Lui, il a son rapport à fond. Il vaut les 300 000. Tu vas... Oh, regarde, observez-lui. Tu vas quand même observer lui, au cas où. Et tu m'as pas trouvé de gardien. C'était pas grave du tout, je m'en fous. En Angleterre. En Angleterre. Jacob Murphy. Ah, personnel occupé. Ça, c'est con. Joueur appelé en sélection. Putain, je commence à avoir beaucoup de gens sélectionnés. Hein. Cameroun, Inde, Bolivie. Hein, bon, c'est pas des grosses nations non plus. Hein. Mais c'est pas grave. Toujours est-il que c'est toujours des internationaux. Ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Le dernier match, on va décontenancer notre... Ouais, c'est ça. Carrément. Allez hop, on décontenance notre dernier match. Se souvient... Quoi? Se souvient de la victoire. D'accord. Carrément, le mec, il est comme ça, en fait... Au lieu de décontenancer, il dit en fait on est trop fort. Ah, on est revenu à ex-aequo avec le Paris Saint-Germain. Et ils ont 2 buts de plus que nous. Ah les enfoirés. Donc voilà, ça recommence à descendre. Hein. On est 2e. On est deuxième. Bah après, Paris va être dur quand même à avoir, à part si on n'est pas directement. On a quand même peu de chance d'aller récupérer des points contre eux. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont... Bah, Aziz forcément est fatigué. Donc du coup, on va mettre Dao au milieu. On va lui enlever ce brassard de capitaine. Lijon, on va le faire sortir. Et on va mettre Xhaka. Qui est très très bien, Xhaka. Gunning est fatigué un peu. Mais il est en fort. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prévoir un remplacement pour le changer dans le match. Qu'est-ce que je fais? Parker, je le ferai peut-être jouer. Ouais, Parker, je vais le faire jouer. Donc on va mettre un Yaya et au pire on fera un... on mettra Yaya. Parker, Nomanjari, blablabla. Allez, on va mettre Rof. Rof sur la feuille, je serai content d'être sur la feuille. Et qu'est-ce qu'on a? Igon, il est fatigué. Fatigué, il en peut plus. On a mis Dao dedans déjà. Alors on va, faire un petit peu de... Voilà, un milieu gauche, un milieu défensif et Valdivia. Est-ce que j'ai un milieu droit? On a Sanchez qui a 57 et on a Ars qui a 59. Sanchez 57, et ben on va mettre Ars parce que c'est un international quand même. C'est un international pardon, qui ne joue pas. Et ouais, c'est ballot pour lui ça. Il peut jouer milieu droit, milieu gauche, ça fait plaisir. Ça servira. Puis là, finalement il a 59 donc... rôle des joueurs d'OV, il a que 60. Donc on va mettre Johnson, capitaine pour... Oh non, 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 non. Non, 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 on va mettre rôle des joueurs. Je plaisante, on va mettre Gunning. Ouais, mais si il sort. Ouais, Johnson. Parce que Johnson n'est pas fatigué. Non, Johnson n'est pas fatigué. Donc voilà, on va faire notre match. Contre Montpellier. Alors, Xhaka. Xhaka à la tête. Xhaka a raté la tête. Xhaka à la tête. Il est tout seul, Xhaka. Putain, le défenseur, il est revenu. Xhaka à la tête. Non, toujours pas. Ça va pas. Quand ça va pas, ça va pas. Allez. Bonjour. Live Villain, ouais bravo. Live Villain de chez nous. Ah oui, de Lens. On joue chez nous. En plus, on joue chez nous. Allez, alors, les gars, faut pas déconner. On fait un bon match. On met la pression directe. Qui c'est qui s'est fait trouver là? Les joueurs qui peuvent se targuer de ne pas avoir encore subi la moindre défaite en championnat cette saison. Ouais. Ah, c'est vrai en plus. C'est vrai. Bien joué, c'était en plus là que je la voulais, c'était parfait. C'était parfait ça, c'était là que je la voulais en plus, c'est pas ailleurs. Ah dommage. Villalba, oula, Villalba il a trop poussé son ballon. Et ça sort. Ouh, merci. Merci mon petit loulou. Alors, arrêtez de bouger s'il vous plaît. Merci. Le centre était moyen, était un petit peu moyen. Putain, eux ils arrivent à me prendre le ballon à travers mes jambes en fait. C'est ça qui est quand même abusif. C'est que moi je peux pas faire ça. Ah dommage. Dommage. Le défenseur avait compris ce que j'allais faire avant que je le fasse. Et Sally lui n'avait pas compris. Oh le tacle est beau. Voilà, par contre, Dao. Quand je vous dis qu'ils n'ont pas les mêmes réflexes que nous, c'est pas humain ça, c'est pas humain. Voilà, c'est pas passé là par contre. Dommage, on l'a fait sortir. On aurait peut-être pu le récupérer, on va chercher là. Bien joué. Bien joué pour Valdivia. Villalba, pardon. Oh non. Oh, il doit pas être hors jeu de beaucoup. Ouais, et il est pas hors jeu, ça a compté quand même le hors jeu limite. Ah, c'est moyen le hors-jeu là. C'est moyen. Il est peut-être hors-jeu, mais de pas beaucoup. Hein. Le centre, peut-être. Ah, dommage. Bien joué, Dao. Tu m'as fait un très très bon tacle. Allez, la tête. Oh, penalty. Penalty pourquoi? J'ai pas compris pourquoi. Là. Je veux un ralenti, s'il vous plaît. J'ai pas compris pourquoi. Alors là, par contre. Ah oui, d'accord, oui, oui, oui. Clairement, 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 la main. La main, la main. Je vais vous la montrer si vous l'avez pas vue. C'est quand même assez évident. La main, regarde, boum. Bon, là, on la voit pas trop bien. Hop. Hop, El Kantari, boum, la main pour retirer le ballon de la tête de Villalba. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un de 63? J'ai pas. Ah oui, c'est vrai, c'est Johnson qui sait bien tirer les pénaltys. En plus, il a le brassard de capitaine. Et c'est parfait. C'est parfait. Merci, monsieur Johnson. Il nous redonne l'avantage. Enfin, il nous donne l'avantage, tout simplement. Allez, on va repartir et on va essayer de marquer sur autre chose que sur penalty. Bon là on dominait, on poussait à fond, donc c'est quand même un peu normal que. Oh là, là par contre j'avais. Quel effort sur cette interception, c'est impeccable. Oh. Je l'ai vu là-bas, mais ah, il me semblait moins hors jeu que ça. Il me semblait moins hors jeu que ça. J'ai fait du caca. De toute façon, j'avais pas grand-chose d'autre à faire. Hein. Oh, mais putain, mais... Johnson, mais c'est quoi cette passe là? Oh. Putain, mais pourquoi il lui fait un contrôle de la main, Villalba, là? Ça, c'est con, ça. Pourquoi? Pourquoi j'ai pas fait de faute si je me pas touché? Allez, Sally. Sally récupère un bon ballon. Sally qui va s'avancer. Sally le centre. Pour Villalba, putain, mais qui a totalement raté sa frappe. Mais n'importe quoi, Villalba, là. J'aurais dû contrôler, en fait. Ouais, ça c'est de la chatte, ça quand même. Allez. Putain, j'ai beau et remplir bien la barre quand je fais des passes, ça fait pas des passes aussi bonnes que je le voudrais en fait. Putain, mais là, je me suis mis un autostop en fait pour pouvoir récupérer le ballon. Oula. Chavarría qui s'est totalement chié. Je me suis mis un autostop. Et voilà, en fait, le temps que je me reprenne de mon autostop. Ah, il est pas en jeu. Oh, elle a un peu trop croisé. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Ouais, la passe était bien jouée. Ça a fait une bonne petite frappe. Normalement, elle était dommage, elle était un petit peu trop. Elle est partie un petit peu trop fuyante. Ça fait chier. Ça fait chier, ça fait chier. Gunning qui récupère le ballon. Oh putain, Gunning. Faites un peu ce que je vous demande, les gars. Déjà, faites un peu ce que je vous demande avant de tenter des trucs compliqués là. Putain, Johnson là. Johnson, je lui dis, il fait pas la passe. La défense qui récupère. Ah, bien joué ça! Bien joué, chérie! C'était qui? Ah putain! Putain, trop croisé encore là. Il faut que. Hein? Faut que je les mette quand même. Faut que j'arrête de trop croiser. Parce que j'ai mis les tirs en manuel en fait. Alors, le problème c'est que j'ai l'impression d'avoir des soucis avec mes joysticks. Parce que. J'ai l'impression que ça vise pas exactement là où je veux. Il est parti, il est pas hors jeu, je sais pas savoir. Ah dommage. Franchement, le mec, le défenseur, comment il a réagi à une vitesse, c'était impressionnant. C'était impressionnant parce qu'il a reçu le ballon sur lui de suite, il a fait un gros dégagement. Le penalty, le fait marquant. C'est dommage, hein. C'est con quand même que je rate autant là. Hein. Wow. Oh, c'est quoi ce shit là? Allez, sors Mickey. Il aurait pu sortir pour récupérer le ballon un poil plus tôt. Ouais, c'était pas pour là la passe, mais c'est pas grave. Non, là. Putain, il m'a fait un contrôle un peu mauvais, Cheryshev, alors du coup, il sait pas. Non, c'est pas lui que je veux, putain. Il était hors jeu. Bon. Alors on va essayer de se relancer parce que là c'est un peu moyen. Là. Ça fait deux petites secondes. Là c'est un peu moyen. On fait un peu de la merde. Allez, balle. Balle, il est parti. Balle, hop, je mets un stop. Voilà, j'ai même pas le temps de bouger que l'adversaire il a déjà compris que j'allais mettre un stop. Allez. Je préférerais que ça soit quelqu'un d'autre que les attaquants qui se mettent. Allez, Dao. Dao, et là je n'ai aucune solution. Allez, ça continue. Ouais, là on peut pas construire grand chose, hein. Ah, là je te le dis tout de suite, monsieur le commentateur. Dans le genre le jeu fermé, là on est quand même pas mal là. Hein. Non, c'était pas pour là. Voilà, c'était pour là à la base. Voilà, et là on se fait piquer le ballon. Bien joué, je sais pas qui c'est qu'il est allé la chercher là. Et il s'est bien démerdé. Oh putain. Bon, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était le Montpellierin qui allait l'avoir. Et là j'ai aucune solution, mais c'est impressionnant hein. Ah, dommage. Dommage, il aurait fait un truc un peu plus intelligent là, peut-être que. Putain, mais la passe, je la voulais pas par là en plus. Je voulais qu'il la joue derrière le joueur, il l'a joué devant quoi. Putain, comment il m'a défoncé mon joueur là. C'est moyen, c'est quand même très très moyen là. Hein. Allez, pour là-haut, pour Chavarría. La frappe de Sally à côté. À côté, ça va être notre. Maintenant, ça va être notre dicton, ça, à côté. Il faut dire aussi que les mecs, ils jouent ultra défensif. C'est pour ça qu'on va passer en voilà, on va passer en offensif, je passe en offensif et. Il n'y a pas faute là. Le tacle il est parfait quoi. Dans le genre tu joues le ballon là, il n'y avait pas mieux là. Oh bouf bouf. On l'a tué, ça fait plaisir. Non, la passe c'était plutôt pour Johnson, mais tu fais ce que tu veux, mon petit loulou. Ah putain. Putain, Montpellier a failli nous marquer un but. Heureusement que j'y ai cru aller la chercher parce que là, là c'était l'égalisation, mais pas méritée du tout. Hein. Remplacement imminent. Sur une mauvaise entente entre mes. mes défenseurs. Ouais. Bien joué Kantari, ça fait plaisir. Bien joué, putain, là c'était juste ça. Oh putain, Sally. Mais est-ce que c'est possible ça? Allez, Sally. Ah, dommage, putain. Ils ont de la chance quand même, hein. Ils ont du cul, ils ont de la chance. Et nous aussi, on en a un tout petit peu quand même. On méritait clairement de marquer plus de buts, mais c'est pas grave, on gagne que 1-0. On gagne que 1-0, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. J'ai vraiment du mal à cadrer mes frappes, hein. C'est chiant ça. Et ouais, parce que le problème c'est que quand on se met pas en manuel au niveau des tirs, souvent ça l'on fait. C'est pour ça qu'en fait on fait des tirs en plein milieu du gardien. C'est parce que voilà, c'est réglé, je le réglais en semi avant et puis voilà. En fait voilà, quand on veut faire une frappe là où on veut, on peut pas parce que ça nous frappe en plein milieu du gardien, alors que c'est totalement stupide de frapper en plein milieu du gardien. Mais c'est pas grave. Donc là, on a une semaine de repos et en plus on a un match de championnat contre Paris sur le prochain épisode, un match contre 3 et qu'est-ce qu'on aura, un match retour contre le Sporting. Alors là, ça va être important. Le prochain épisode sera tout aussi important que celui-là. Bon, toujours est-il qu'on va se laisser ici pour cet épisode. Je vous dis merci de m'avoir regardé. Mettez-moi un petit like si la vidéo vous a plu. Et aussi un commentaire si vous avez quoi que ce soit à dire. Je vous dis à la prochaine vidéo. À la prochaine, pardon. Pour une nouvelle vidéo sur FIFA ou sur un autre jeu. Ciao!